Alors bonjour à tous. Je nettoie un peu le bureau en faisant un peu cette vidéo. Enfin, c'est plus un enregistrement vocal que je fais à partir de mon téléphone. Je voulais faire une vidéo au départ, mais je me suis dit j'ai envie de changer un petit peu la façon de m'exprimer à travers les vidéos que je fais un petit peu tous les jours, que je fais au fil du temps, que vous voyez sur Internet et sur YouTube par exemple, sur YouTube. Mais j'ai juste envie de dire, ben j'aime Minecraft. Voilà. C'est comme ça, j'aime Minecraft. Alors, c'est peut-être deux mots banals pour vous, mais voilà, c'est comme ça, j'aime Minecraft. Alors, vous allez sans doute me dire pourquoi il s'enregistre, pourquoi il parle dans ce téléphone. Ben, tout simplement, je ne sais pas. Alors, j'avais tout simplement envie d'enregistrer mes pensées, de les garder en mémoire, on va dire, mes pensées les plus profondes à travers cet enregistrement vocal. Et changer un petit peu la façon de m'exprimer. C'est des fois c'est bien, mais ça change. Parce qu'habituellement je fais des vidéos et c'est une première pour moi de faire ça sur un téléphone, sur l'enregistrement vocal sur le téléphone. C'est la première fois que je fais ça. Alors, tout ce que je dis, c'est sincère, hein. Tout ce que je dis à travers les vidéos ou même dans le téléphone. Voilà. Alors, j'espère que vous allez partager cet enregistrement envers tous ceux qui aiment Minecraft, comme moi. Peut-être que. Ben, je sais pas, c'est. Ben, en tout cas, j'ai vraiment envie que beaucoup de monde écoute ce que je suis en train de dire. Et puis, j'espère que. Comment t'en bien, j'espère que ce que je dis est minimum audible pour que vous puissiez bien comprendre ce que. Comment je parle, etc. Mais bon, je pense que ça va aller, en tout cas, ça suffit. Alors, Minecraft, pourquoi j'aime Minecraft? Vous allez me dire pourquoi je lis tout ça. Je pense que vous allez vous poser beaucoup de questions. Eh bien, vous savez que cette question, elle. Elle est un peu, c'est un peu difficile d'y répondre là comme ça. Mais bon, c'est vrai que j'arrive pas à trouver de réponse. J'ai beau me poser la question, mais j'arrive pas à trouver de réponse. Je crois que c'est à l'intérieur de mon cœur, et puis c'est moi qui suis une personne très sensible. J'ai beau avoir une laine douce, mais à l'intérieur, ben, un cœur si sensible, vous pouvez pas savoir. Hein. Bon, en même temps, je pense que c'est. Il y a peu de monde qui me connaissent sur Internet. Et quand je dis qu'ils me connaissent, ce sont des personnes qui savent réellement qui je suis. Même si j'ai fait un peu le foufou sur des serveurs sur TeamSpeak où j'ai pu, on va dire, m'engueuler avec beaucoup de personnes, beaucoup d'internautes, parce que, on va dire, c'est vrai que les gens ne comprennent pas où ça leur gêne, parce que peut-être qu'ils ne sont pas habitués à ce que des gens disent ce qu'ils pensent sur Internet, que ce soit en vidéo, que ce soit même en vocal, ou comme je le fais moi, ou à partir du micro.
du micro casque, du micro. Et je sais pas quoi dire à côté de ça. Mais en tout cas, j'ai juste envie de dire à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me regardent, même si je suis ému, eh bien, à tous ceux qui me regardent, je vous aime. Voilà. Et puis, j'ai envie de me justifier par rapport à certaines personnes qui m'envoient des messages ou qui ne comprennent pas ce que je fais et qui préfèrent m'écrire un message sur ou un commentaire, comme vous préférez, sur ma chaîne ou sur les vidéos que j'ai mis en ligne. Alors, j'ai pas envie de me justifier, mais quelquefois c'est vrai que j'ai envie de dire ce que je pense, j'ai envie de dire ce que je fais, mais il y a quelque chose en moi qui me dit non, ne te justifie pas, parce que c'est inutile, c'est complètement inutile. Voilà. Et puis, pour être sincère avec vous, je fais aussi cet enregistrement pour que vous puissiez m'écouter à travers de votre téléphone. Et puis que vous pouvez télécharger cet enregistrement soit sur téléphone et pour l'écouter partout. Voilà. Et je trouve que pour la première fois, parce que c'est une première, je m'enregistre comme ça et je parle comme ça, je dis ce que je pense au plus profond de mon être. C'est une première et je pensais pas me débrouiller aussi bien, je pense. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça peut aller. Et puis, c'est vrai que je prépare des vidéos. En tout cas, ma tête, depuis toujours, je suis une personne qui pense à tellement de choses que j'ai l'impression que ma tête va exploser. Voilà. C'est-à-dire que il ne peut pas se passer une seconde. Enfin, si, il s'est passé, on va dire, quelques secondes, mais je ferai un petit bien là-dessus, mais il s'est pas passé. Il s'est. Allez, je vais dire ça. Il ne s'est jamais passé une seconde dans laquelle ma tête n'a jamais été vide. C'est-à-dire que jamais dans ma vie. Je ne pense à rien. Je pense à tellement de choses. J'ai tellement d'idées sur tout. J'ai tellement. Puis aussi, j'ai tellement envie de défendre mon opinion. Que ben. Voilà, j'ai envie de parler, j'ai envie de m'exprimer, de faire des vidéos. Ou de m'enregistrer sur ce genre de support qui est le téléphone portable. Voilà. Alors je vais vous laisser. Et puis voilà, j'ai Minecraft et puis je vous dis bonne journée et puis à la prochaine. Peut-être un nouvel enregistrement vocal. Bisous tout le monde et je vous aime.